Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer. Rapidement, juste pour 3 minutes. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai un message à faire passer pour l'Afrique. Je suis immigré. Je viens d'Afrique. Le message que je vais faire passer ici, parce que vous ne l'entendrez jamais sur BFM TV, ni sur CNews. Sur CNews, on nous parle des immigrés pauvres qui arrivent ici. Il faut les aider. Ils sont pauvres. Voilà, il faut les aider. Mais j'aimerais vous dire ici, s'il vous plaît, cette immigration a été créée. Cette immigration a été créée par les dirigeants de l'Occident. Cette immigration a été créée par les immigrés, par les dirigeants de l'Occident. Je viens d'un pays en 1997. La France de Jacques Chirac donne des armes à un despote, à un criminel, à un tueur qui s'appelle Sassou Nguesso. Et cela, ça se passe dans toute l'Afrique. Ces Noirs, ces Africains qui viennent ici, c'est pas que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. L'uranium avec lequel nous roulons dans ce train-là, qui fait l'énergie de la France, vient du Niger. Les téléphones, les portables que vous avez, le coltan, ça vient du Congo, de la RDC. Le pétrole que vous mettez dans vos voitures, ça vient du Gabon, du Congo, Brazzaville. C'est ça la vérité. Parce que depuis un moment, les politiciens français ont pris pour cheval de bataille que les immigrés, c'est le problème de ce pays-là. Les immigrés viennent ici parce que vous volez leur travail. Les Français volent le travail des immigrés. C'est ça la vérité. Et tout le monde doit le savoir. Lorsqu'on prend le pétrole en brut au Congo-Brazzaville, on vient le transformer ici, on donne du travail aux Français. Le sol français n'a pas le pétrole. C'est ça la vérité. Vos dirigeants vous montrent. Moi, je ne vais pas monter des Français contre des immigrants, des migrants. Je dis la vérité. Vos dirigeants, ce sont des voleurs. Avec les multinationales les plus riches de ce monde. Les médias que vous entendez, BFM TV, c'est tenu par les milliardaires de ce pays. Ils orientent l'information dans le sens qu'ils veulent, afin que vous ne voyez pas la vérité. Je vous ai dit, je suis un migrant. Je suis venu dans ce pays parce que je n'ai pas fait le choix. On m'y a obligé. Et vous devez tous le savoir. L'ennemi de ce pays, c'est cette oligarchie. Ces dirigeants qui se font des poches, qui arrivent en politique et en restant très riches. Comme les Nicolas Sarkozy, les Jacques Chirac, comme les Macron. Déconnectés de la réalité de ce pays. Ils ne connaissent pas le prix du ticket du métro, ni de la baguette de pain. Et ils vous mentent contre les migrants africains pour vous dire que le problème était les migrants. C'est du mensonge. Terminus du train. Et cette vérité, moi je voulais la rétablir. Ne suivez pas CNews ni BFM TV. Ça va vous phagocyter le cerveau. La vérité, cherchez-la vous-même par Internet ou YouTube. Cherchez les débats contradictoires. L'ONU, c'est une organisation des pays plus puissants pour opprimer les pays les plus pauvres. Voilà, l'Amérique, la Belgique, la France, hein, les États-Unis. C'est eux qui pillent nos pays, qui appauvrissent nos pays, c'est pourquoi nous venons ici. Si vous ne voulez pas le savoir, alors là, vous allez rester dans l'erreur. La vérité, c'est celle-là. Une bonne soirée à tous. Merci encore de m'avoir écouté.